Jean-Baptiste, aujourd'hui, sous la pluie, vous receviez le deuxième de cette poule d'accession. Un match plein du TPR et une belle victoire. Oui, 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 c'est sûr. Voilà, c'est... Bon, on le sait, chaque week-end, ça va être la guerre, ça va être très difficile, d'autant plus aujourd'hui avec des conditions climatiques qui étaient un petit peu plus délicates, donc obligé de réduire un petit peu la voilure au niveau du jeu. Mais voilà, on s'en est bien sorti, on a rectifié le tir en conquête, notamment en mêlée par rapport au match de Chambéry. Et puis voilà, quoi, on arrive à obtenir une belle victoire qui nous fait du bien au classement et aussi dans les têtes. Voilà. On en avait besoin, elle est là, donc maintenant, il faut continuer à bosser. Ça va le faire. Ça a été un match âpre, un gros combat. Oui, de toute façon, bon, en Brest, voilà, ancien pensionnaire de Pro D2, avec un gros paquet d'avant, des joueurs très solides, voilà, on savait à quoi s'attendre, on savait que ça allait être très dur, et ça a été le cas, mais on a réussi à bien le négocier, donc c'est l'essentiel, on marque les 4 points de la victoire, et c'est l'essentiel vraiment. Avec un bel essai de 3 quarts. Oui, on commence à trouver nos marques derrière, voilà, on a réussi à marquer un essai en première main à Chambéry, là on commence à... Voilà, prendre confiance petit à petit et voilà, le travail paye avec Mika notamment, donc il faut que ça continue.